Bonjour à tous, gentes-dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc, pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos, on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi, mes montages vidéo, ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Hein. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur les mêmes vidéos, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits, et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne ainsi que Facebook où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire. Voilà les amis, on continue pour nos amis balance. Alors pour vous les balances, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? J'ai tiré l'oracle sceau, 6 cartes, deux cartes de l'oracle du chakra. Lorraine Gibert, on verra les chakras à travailler et la problématique. Et ça, c'est le love. Donc, à la coupe, j'ai eu la cigogne et le repos. La cigogne, c'est la grossesse, la maternité, la naissance, le bébé. Il est possible qu'une personne qui se retrouve enceinte se trouve en mode repos. On lui conseille de ne pas faire d'efforts, de se reposer pour protéger ce petit bébé. D'accord? La naissance aussi peut être... on peut nous dire aussi que pour certains, amis balance, vous avez besoin de ce repos pour pouvoir créer d'autres énergies en vous. Hein. Il y a peut-être... il y a peut-être ce besoin de repos, de renaître un petit peu. Alors, je pense que là, c'est lié à retrouver le calme en vous, à retrouver de la vitalité en se restaurant. Voilà. Donc, voyez ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes une personne qui est touchée par la grossesse? Donc, peut-être une grossesse un petit peu compliquée qui nécessite du repos, un alitement, ou prendre le temps pour vous. Tout simplement de vous reposer, c'est important. Et le repos peut emmener aussi la naissance d'un calme. Est-ce que pour certains, enfin, on retrouve ce calme en nous? D'accord? Si vous l'avez déjà travaillé, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas travaillé, on vous dit, il va falloir vous reposer, retrouver ce calme en vous. Et la connexion à la verdure, vous voyez, la carte est verte, aller marcher dans la nature, c'est l'ancrage, c'est la base, c'est ce qui va vous faire du bien, d'accord? Maintenant, si c'est une grossesse impactée, on vous dira un repos, hein. C'est pas la nature, vous n'allez pas faire gambader dans la nature. Si vous avez un jardin, bah, profitez de vous mettre dans une chaise longue à l'extérieur, avec de l'air qui vous fera du bien. Voilà ce qu'on a. Allez, on va continuer avec les trois premières cartes. On a l'automne. Donc, est-ce que ça fait 3 mois que vous êtes un petit peu coincé pour certains? Ça représente
L'automne, depuis cet automne, est-ce que c'est depuis le début de cette grossesse où c'est compliqué, où ça demande d'être allaité, ou c'est un projet qui est en latence pour certains? Ça peut concerner un projet que vous mettez en place et là, il évolue pas, il est en mode de stand-by et repos. Hein? Okay. Ou ça concerne l'automne ou c'est les 3 mois avant. D'accord? Là, pour certains, ben, il y a vraiment le vide. Rien ne bouge, rien ne se passe pour certains. Hein? Ça peut représenter une personne qui est vraiment clouée chez elle, qui ne peut rien faire, qui est isolée, hein? Isolée. On ne peut pas faire grand-chose. On a besoin vraiment de ce repos, de cette détente, de ce calme. Ça peut être, voilà, la problématique, c'est qu'il vous fallait ce repos, ces vacances, pour certains, des longues vacances avec ce repos, parce que vous avez besoin vraiment d'un gros repos. Pourquoi pas un voyage programmé aussi pour certains, mais voyage, l'île, c'est les eaux exotiques, donc vous voyez. On a aussi des écrits importants qui sont là, d'accord? On peut avoir un acte notarié pour certains, on peut avoir un diplôme, ça peut concerner des études, une formation, quelque chose d'important. D'accord? Les écrits, ça peut être des papiers officiels, très importants pour vous. Carte d'identité, peu importe, verrez-vous. Où ça vous touche, à vous. Alors, on va mettre les trois autres cartes. On a. Effectivement, ça peut être du côté scolaire, ça peut toucher un de vos enfants, si c'est pas vous, ça peut toucher dans le foyer. On a la possibilité d'acquérir un diplôme. On fait peut-être quelque chose, des examens. Certainement des examens. Là, c'est tout ce qui touche documents administratifs pour certains. Voilà. Ça peut être la banque, ça peut être la CAF, l'URSSAF pour d'autres, je ne sais pas, toutes ces administrations, les impôts, nous y sommes aussi aux impôts. Les impôts, n'oublions pas les impôts, alors, la déclaration d'impôts. Alors, concernant plus une dame et un jeune homme. Ok, on va rajouter deux cartes parce que nous avons deux personnages, d'accord, mais. S'il te plaît. Ok. Alors, ça peut toucher le travail. Effectivement. Cette dame, pour du travail ou un travailleur indépendant, qui a toutes ses déclarations peut-être administratives à faire, on lui dit qu'elle aura un bel imprévu. Ce jeune homme, c'est le jeune homme qui est derrière, un bel imprévu qui pourrait arriver à vous. Il y a le travail à côté, il pourrait y avoir pour certains du boulot qui arrive. On peut avoir des papiers par rapport à un commerce, un travail indépendant. Ok? Le repos. Alors, avec l'automne, dégradation de vacances, est-ce que pour certains, les vacances ne se passera pas comme vous l'auriez désiré? C'est une possibilité. Et d'autres, peut-être avec les administrations, peut-être ça peut concerner un travail, un voyage, là, avec un système administratif. Alors, ça peut être, je ne sais pas, on a la retraite, une caisse de retraite, quelque chose qui gère. Il y a un départ en vacances avec une administration. Alors, après, ça peut être la mairie pour les enfants, je ne sais pas, un séjour, comment on appelle ça, là, les colonies, tout ça. C'est une possibilité, parce qu'on a un jeune homme là. Est-ce que vous aviez envie de le faire partir? C'était compliqué. Et puis là, il y aura une possibilité qui sera là pour vous. Donc voilà pour ce que j'ai avec l'oracle sous. Allez, avec l'oracle de chakra, on est sur la carte verte. C'est le cœur qui est touché. On doit lâcher prise sur une situation.
ne plus cogiter, ne plus penser. Si vous êtes cloué dans votre lit, arrêtez de vous faire du mal et de penser que ça va mal. Si on vous donne ce repos, c'est pour vous restaurer parce que vous êtes fatigué. Okay. Donc, on lâche prise sur une situation qui vous fait cogiter mentalement. Et ça, c'est le chakra couronne. Alors, on peut avoir été déçu et ça vous fait cogiter. Ok ? Et on vous dit, il vous faut vous poser, vous connecter le corps et l'esprit. Ok ? Pour avoir ce lâcher prise, c'est-à-dire connecter au corps et à l'esprit, vous pouvez méditer. Méditer vous fait ce lâcher prise, d'accord ? On prend le temps pour soi. Donc, la tête, elle travaille. Là, pour vous, les balances, vous êtes en boucle. Il y a quelque chose qui fait que vous cogitez énormément, d'accord ? Vous guide. Souhaite attirer votre attention et vous dit, là, il est nécessaire de vous connecter à ce corps et à l'esprit. Au fur et à mesure que ces événements vécus et l'étape douloureuse que vous traversez, votre corps n'est plus correctement aligné. Donc l'ancrage à la terre, d'où je vous disais, aller dans la verdure et marcher. Il vous faut vous aligner. Ça peut générer chez vous ce manque d'alignement, un déséquilibre en vous, d'où cette fatigue, etc. D'accord ? C'est compliqué. Vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué, donc il faut vraiment cet ancrage, c'est important. Rapprochez-vous de la nature pour vous connecter. Voilà, c'est important. Et vous lâcherez prise, vous voilà, baladez-vous. Pensez plus à rien. Allez, on va voir du côté là. Oh, pardon, je bois un petit peu. Donc, sortez. Allez dans la forêt, dans des jardins, peu importe où il y a de la verdure. Connectez-vous à tout ça. Alignez-vous en chakra. Un bel alignement est nécessaire et vous allez voir, vous vous sentirez mieux. De voir un petit peu du monde aussi à l'extérieur pour oublier et arrêter de ressasser ce qui vous oublie. Ok ? Allez, du côté cœur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour certains, on a du côté cœur une attente. Une attente peut représenter un changement au niveau de notre couple ou en attente d'amour pour les célibataires. Vous attendez peut-être l'élu du cœur à un patient. Vous attendez surtout que vous ayez un couple durable, à long terme, d'accord pour certains. Vraiment, et pour certains, on peut avoir envie d'aller encore plus loin, d'avoir un couple beaucoup plus prononcé, tel qu'un mariage, un pacte, on se met ensemble, on concrétise les choses de façon durable, pour aller encore plus loin, ok ? Et pour les célibataires, on a des vues, on a flashé sur quelqu'un, donc ça arrive, d'accord ? Même si j'ai la période d'attente, alors je ne dis pas, peut-être c'est fin mai, peut-être ça sera début juin, il y a quelque chose qui se prépare à la monnaie pour vous. Vous allez flasher sur quelqu'un, vous allez avoir le béguin pour quelqu'un. Ok ? Ça arrive à vous. Soyez patient, on montre bien que vous avez attendu peut-être longtemps, pour avoir cette personne. Mais ça arrive. Et l'amour qu'il y aura là, pour moi, sera un amour durable. Peut-être que vous avez vécu des relations plus ou moins courtes, et là, vous irez sur une relation beaucoup plus longue. D'accord ? Et c'est vraiment l'amour, 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 avec un grand A, inconditionnel, l'amour qui ne meurt pas, qui sera vraiment là. C'est un bel amour qui va être là pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc n'oubliez pas de prendre du temps pour vous restaurer, vous aligner,
Pour cette personne, cette maman qui doit être alignée, soyez patient. Si on vous conseille, ce repos, c'est bénéfique pour vous. D'accord? D'autres auront des documents administratifs, des diplômes, un concours à passer. Pardon, il y a une moto qui démarre. Oh. Et surtout, possibilité de boulot pour un jeune. D'accord? Il y a peut-être un déblocage. Ça peut être un travailleur indépendant, un jeune qui œuvre seul. En tous les cas, qui a un travail ou une poste où il œuvre seul. Si vous n'êtes pas à votre compte. Voilà pour vous, mes chers balances. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.